Concentré ? Oui. Prêt ? La femme a toujours été de l'homme. Le plus fidèle compagnon. On lève la main pour répondre. J'ai bon ou pas ? T'as dit quoi ? J'ai dit la femme a toujours été le plus fidèle compagnon de l'homme. Non ! Ça c'est le chien ! Oui. C'est quoi ce oui ? Oui, c'est le chien. Mmh. Ok. On passe à la suite. Merde. Et on est mal barré, hein. Une femme peut être clitoridienne ou vaginale. Vrai ou faux ? Vrai. Voilà, c'est fastoche, c'est mon domaine de compétence, donc... Ben non, faux ! L'orgasme est forcément clitoridien. Alors oui, la simulation du clito peut aussi se faire par l'intérieur du vagin, mais ça n'existe pas, des femmes vaginales, c'est uniquement clitoridienne ! Non mais d'accord, mais ça c'est vous deux, mais moi, je le sais, j'ai fait jouir plein de femmes par le vagin, donc... Simulé. Mais non. Oui. Mais pourquoi faire ? T'as simulé, toi, avec moi ? Ok, suivant. C'est bon, vas-y. Ok. Est-ce qu'une femme aurait forcément un vagin ? Y a un piège ? Te précipite pas. Te précipite pas. Une femme aurait forcément un vagin. Non ! Non, mais ça va pas. Une femme rêve forcément d'avoir des enfants. Ben oui, si. Non, mais il y a un problème dans l'énoncé. Mais est-ce qu'une femme rêve forcément d'avoir... Oui, mais de quoi elle rêve, la femme ? Mais putain, pense à moi ! Moi, je rêve d'avoir un gosse, moi ? Mais non, mais d'accord. Mais non, mais toi, non. Mais alors ? Toutes les femmes que je connais rêvent d'avoir des enfants. Non. Ok. Bon, alors... Donc ? Est-ce qu'une femme rêve forcément d'avoir des enfants ? Faux. Ok. Voilà. Eh ben, génial. Ça, c'est bien. Première nouvelle. Ok, situation professionnelle. Vas-y, reste concentré. Oui, reste concentré. Donc toi, t'es Corinne, la petite comptable. Joli gros sein. Ouais, ça me parle. Et une jolie petite bouille. On est vendredi soir et tu travailles sur le dernier dossier. Ok, moi je suis ton boss. Bonsoir Corinne. Dis donc, vous n'oublierez pas de me remettre ce dossier en main propre. Évidemment. Oh, mais dégueulasse ! Il fonce dans tous les pièges, celui-là. Mais non, mais attendez, mais je comprends pas. Mais là attendez, ça dépend, parce que si la femme, elle a un peu envie de... Elle a envie de quoi ? Elle a envie de finir son dossier ! Elle est crevée, elle va rentrer chez elle ! Parce que là, je pense que vous êtes en train de faire du man-interrupting. Ouais, peut-être. Je pense. Ouais. Donc, si je peux dire quelque chose, et parce qu'en plus, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif par rapport à moi, c'est que là, moi, je ne suis pas du tout dérangée d'être dirigée par des femmes. Ah, c'est bien, on a une amélioration. Limite, ça peut m'exciter. Mais arrête ! Non ! J'y croyais ! Quoi ? Vous n'allez pas me couper les couilles, hein ? Manspreading. Ici. Ok, super, on enchaîne. Prêt ? Ok. Je sens plus mes pieds. Non, ça veut dire oui. Ouah. Ah, elle est compliquée, celle-là. Parce que parfois, elle dit non, et en fait... Faux. Pas mal. Faux. Ça, c'est oui. Faux. Ok, cool. Alors, par contre, j'ai une question, c'est quand si la femme, elle dit... Non. Oh putain, il me cherche. T'as pas vu le clip d'Angèle ? Donc, non, ça veut dire... Ça veut dire non. Bravo ! Non, c'est non. Voilà. Pourquoi ? Des milliards d'années de domination masculine, on aura toujours du rattrapage à faire. C'est clair. Encore. Attendez, pas les seins !